Bonjour. Alors malheureusement, si l'on croit le ministre des armées français, plus de 2000 Ukrainiens vont être entraînés en France. Ils vont être entraînés en France pour quoi faire? Ils vont être entraînés au maniement des missiles français, des canons César, mais pas seulement, puisque les Ukrainiens se préparent à combattre les Russes à Kherson. Donc, ils vont s'entraîner à la guérilla urbaine. Donc, la guérilla urbaine, moi, je connais parce que je suis allé avec le 2e REP, le 2e régiment étranger de parachutistes, à Sissonne. Ces gens du 2e REP, je les avais déjà rencontrés à Djibouti. Je suis allé donc à Sissonne pour suivre, justement, un entraînement de guérilla urbaine. Donc, la Légion étrangère, moi, j'avais rencontré des Ukrainiens, des Russes, et également des gens qui venaient d'Argentine, du Brésil, etc. etc. Et équatorien. J'étais parachutiste. Alors là, il se prépare à un assaut contre une agglomération où il y a un adversaire qui s'y est terré. Normalement, ni pas on va reconnaître le village. Il y a des ennemis qui sont à l'intérieur, il y a des miliciens, il y a des civils, ils sont tous ensemble. Donc les civils sont des amis. Ils sont des amis des miliciens aussi. Donc notre mission, c'est faire dégager les miliciens. Alors la ville de Sissonne, c'est assez étrange, elle est construite vraiment comme une vraie agglomération. On peut y voir ses grandes surfaces, ses magasins, ses églises, sa mairie, absolument tout. Pas sorti, elle n'est pas sorti. Ok, dès que moi je suis rentré dans la maison, vous reconnaissez la prochaine maison. Prochaine. Ces hommes devront avancer, se battre contre des troupes aguerries. Bâtiment par bâtiment. Ouais. On fait le ratissage. Bâtiment 13 reconnu, RAS, ami à ma gauche et à ma droite. C'est bon, go, go. Alors dans un centre de commandement, le colonel du régiment dirige ses troupes. Des photos là qui arrivent. Le bouclage rappelle
certains types d'exercices, certains types de manœuvres ou d'opérations qui ont pu être menées, en Algérie en particulier. Oui. Là, pour l'instant, on parle simplement d'attaque et d'attaque en souplesse, l'objectif n'étant pas de prendre en nage la totalité de la population qui est dessus, mais de la déloger d'ici, d'en détruire un maximum, et de laisser partir ce qui pourra partir. Alors, bien entendu, les blindés sont de la partie, évidemment. Prochaine. Ils sont restés ici, ok. J'ai besoin d'un tir d'appui sur 24. Attendez, les gars, là-bas, Albert, en face. On va la passer à la 6. La compagnie attend d'avoir. Attention, il y a encore des amis en face. Appelle-moi à notre équipe. Il y a aussi des hélicoptères de combat. Là, ce sont des Tigres. Qu'est-ce que c'est comme hélico? C'est le nouveau, c'est le Tigre. C'est le Tigre, hein? Oui. C'est le Tigre. C'est un très bon hélico. Ouais. Avec des photos prises par le. Par la patrouille Tigre. Par les Tigres. Et après transformé en. Et là transformé après avec un baptême qui permet de très très facilement désigner en, avec une lettre et un chiffre. Ouais. Désigner une position précise. Il est certain qu'en Afghanistan, on a des procédés d'exécution qui sont très comparables à ceux qu'on a connus en Algérie. Oui. On a des pertes et des victimes, aussi de notre côté. Et que ça nous oblige à une certaine excellence. C'est le sens des engagements qu'on fait actuellement. C'est le sens, pardon, des préparations qu'on fait actuellement. Deuxième rêve est un régiment parachutiste qui appartient à une brigade qui est définie comme la brigade de l'urgence. Le seul et unique souci de deuxième rêve est d'être prêt à l'assaut. Et donc le deuxième rêve travaille pour être à la hauteur de ceux qui l'ont précédé. Ça, c'est... J'ai besoin d'un tir d'appui sur 24. Attendez, les gars, là-bas, Albert, en face, on va la passer à la 6. En fait, on a ramené le Vapsan, fait un mi-blessé ici parce qu'il commence à y avoir des blessés. Et comme ça, on les regroupe dans une maison et le médecin il peut les soigner. Dépresse, circule. Quelle session? S1. Quelle? S1. S1. T'es blessé, t'es grimé? Jambes surélevées. Évacuer position allongée. Reçu? Bon, eh bien, écoutez, j'espère que vous avez aimé ce récit. À bientôt sur ma chaîne. N'oubliez pas le pouce, abonnez-vous. Allez, au revoir.